Mon oncle, fameux bricoleur, faisait un amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe à mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombage, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'a qu'un rayon d'action de 3,50 m. Y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, palpant avec amour ses atomes d'hydrogène. Pour le distraire, sa mère lui mit des pétards sous son lit, mais il sourit à peine. Et puis un jour qu'il essayait de faire sauter le poulailler, il prit tout en pleine gueule. Alors couvert de sparadrap, en buvant son tilleul, tonton nous déclara: à mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaie d'augmenter la portée de ma bombe, et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Y'a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, ils les ont enfermés en disant: soyez sages. Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, quand mon âme et conscience, qu'en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant l'élu immédiatement chef du gouvernement.